Allez, on y retourne. Pas chez moi. Ah non, ça va, ils sont loin. Rituel déverrouillé. Lui? Toutes les régions à part... Hein? Ah oui, mais c'est vrai, il me faut des faveurs aussi pour claquer les rites. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Ouais. On verra ça plus tard. Puissance des armes, plus 2%. Summon the Elector Counts. Mais même ces bonus de base sont à chier! Merci Wawa. Oh Lanterne, merci pour les 8 mois. Merci Boy Dinesco pour le Prime. Bienvenue. Et là, ça donne quoi? Plus 10% en combat contre les Pauvres de l'Eskaven, les Elfes Noirs, les Guerriers du Chaos, Norska, Umbet. Bon, d'accord. Ouais. Attaque de mêlée. Plus 9. J'ai envie de dire, il est pas à ça, quoi. Bon, allez, de toute façon, le plus 10% de portée, il faut le prendre. Bon, on en est où? Prochain tour, je peux recruter quelques caméléons. Tiens, il s'acharne pas sur moi, Rakart, si je suis pas là. Pour parler. Je pensais qu'il allait m'attaquer si je le faisais pas, mais non. Il n'y en a rien à battre. Ok, donc. Ouais, c'est quand même moins, vachement moins cher que des Saurus. Hein. C'est quasiment 100 pesos de moins d'entretien. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Alors qu'ils peuvent rôder. Mais voilà ce qu'il va chercher, la baliste et les ombres. Déjà. Merci Tricky Hunter pour les 4 mois. Des unités qui rôdent. Et en plus qui se déplacent plus vite que les... Ça se déplace même plus vite que les Croxis, je crois. Donc pour rattraper les ombres, c'est pas mal. Ah oui, mais elles ont des armes des armes à deux mains. Ah, ils vont les défoncer. Enfin non, quoique avec la charge des caméléons, ils vont les taper sérieusement. Puissance des armes, 10% pour toutes les armées. Mes réserves de vent de magie, ouais. Bon, la puissance des armes plus 10% n'est pas dégueu quand on a une magie aussi pourrie au début. Bah, c'est pas ultra impactant. Observe, Brachus. Mais... Demande où il est. Attends, il est en guerre contre qui? Every conceivable way. Ah. And I shall break you. Il est en guerre contre Marienburg. Du coup, il n'y a personne là. Il a perdu son armée de base. Ou alors il prévoit des renforts. Connais ton ennemi. Je le connais. Oui, oui. Commandement plus 10 contre les elfes noirs. Les... Oh là là, la vache! Le jeu est en train de valider ma stratégie. Il a compris. File-moi ta thune, toi. C'est quoi cette portée nulle? Non mais ça c'est Albion. Albion c'est toujours l'enfer pour y circuler.
What do you seek? What is your dark? Bon, par contre, 13 unités en garnison. On est d'accord que c'est pas avec ça que je vais y aller, quoi. Il a même pas de pillage, Rakkart, mais quel enfer! Nakai. Bon, quitte à ce que ça dure 2000 ans, allons-y. Hein. Au moins, il n'y a pas d'hydre. Au moins, il n'y a pas d'hydre. Il y a une petite manticore. Ah, n'empêche, il recrute des monstres aussi quand il est contrôlé par l'IA. Corsaire, c'est quand même pas perce armure. Ça a beaucoup d'attaques, mais pas de perce armure. Si je mets les Croxigores dessus, il va quand même leur falloir longtemps avant de les tabasser. Surtout si je neutralise les sombres traits derrière. Bon, allez. C'est parti pour la troisième défaite de la soirée. C'est une soirée spéciale tutoriel aujourd'hui. J'espère que vous vous amusez bien. Bon, je vais... Le plan... Ah, à moins que... Je mets Nakai tout seul au milieu des... Oh non. Ah, elle va peut-être pas les foutre sur Nakai. Ou alors je tape Nakai tout seul au milieu des corsaires. Il va nager dedans. Et eux, quand ça bloque bien, ils tirent dessus. Et j'en prends deux pour attraper les tireurs. Bon, déjà, désactivez ça. Je veux pas qu'ils balancent leurs précieuses munitions pour désherber. Oh, il rôde. Oh, et ça, c'est tellement bien. Avec le debuff d'attaque, ça dure combien de temps? 25 secondes. Bon, c'est toujours ça. Ouais, on va garder les Saurus quand même pour protéger les rôdeurs. Parce qu'il y a quand même des harpies qui peuvent être embêtantes. Là, du coup, c'est eux qui attaquent. Ok, donc là, mes rôdeurs, ils attendent. Ils prendront les tireurs de flanc. Hop. Ok, je pourrais même utiliser ça pour percuter de flanc leur truc. Ce qui est sûr, c'est que eux, pour l'instant, ils servent pas à grand chose. On garde les munitions, hein, on garde les munitions. Va falloir être patient.
Ok, la Manticore passe un sale moment. Nanananana. Les harpies, je vais pas claquer une munition là-dessus. Ça commence à faire... Ok. C'est parti, faut se montrer là. Mais quelle bande de relous! Ok. Toi là, toi là. Allez Nakai, nage dedans, nage dedans. Se passe quoi là? Voilà, ça c'est bon ça. Hit and run. Oui, ça c'est bon ça. Ça c'est impact. Ça c'est bon. Allez. Les crocs, si vous m'engluez tout ça. Toi, tu dégages. Terminez-moi ça. Deux, vous refaites une charge. Nakai, tu charges là. Là. Oh là 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 là. Allez, filez un coup de main au patron. Mais qui lui ma chère comme ça? Et pas des harpies quand même, respectez-vous. Bon, joli friendly fire là. Là, je vous l'avais dit, les rôdeurs caméléons c'était le meilleur choix. Rapport qualité-prix, y'a pas mieux. On fait plus mieux que les rôdeurs caméléons. En rapport qualité-prix chez les hommes lézards en début de campagne. Non. Regardez. Voilà. C'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que je vous disais? C'est eux le meilleur choix. Rapport qualité-prix de début de campagne, il n'y a pas de meilleur DPS possible. Regardez ça! Ça coûte 100 balles par tour de moins que les Saurus. D'accord.
Bon, après, c'est pas ça qui va défoncer du de l'hydre. Ah mais quoique, c'est des dégâts enflammés. Donc en fait, si. Même face à l'hydre, si ça se trouve, vous prenez toutes les tous les rôdeurs caméléons, ils font feu tous en même temps sur l'hydre. Si ça se trouve, sur leur dos salve, ils la tuent. Ça vide toutes leurs munitions, mais rien que pour ça, défoncer l'hydre... je dis oui quand même. Hein. 180 de thunes, on s'en fout un peu. XP. J'ai pas d'ennemis tout de suite, donc le truc à la limite, bof. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Merci Blitz pour les 8 mois. T'as retrouvé ta dignité avec cette... avec cette victoire, tu mérites mon abonnement. Mais t'as mon doigt, il a cliqué. Merci, Matt. Merci Général Xenobi pour les 5 sommes offerts. Merci beaucoup. Merci Tricky Hunter pour les 4 mois. Défense. Summon the Elector Counts. Merci Lapin de Komodo pour le Prime. Bienvenue. Ouais, oh, par contre Nakai, il a quand même pris tarif dans le truc. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Et quoi, hein, taille de l'aura, effet de l'aura, plus 5, ouais. Ça, je sens que dans un futur relativement proche, ça pourrait nous être très très utile. La croissance de l'aura, ouais. Merci Nilal, merci Nilal pour le Prime. Bienvenue aussi, merci May pour les 4 mois, pour le beau jeu. Mais oui. Bien sûr, toujours. Ah, je sais pas. Bon, tout ça, ça nous rapproche de l'attaque éclair, qui de toute façon va être une valeur sûre comme dans chaque campagne. Et les chances de défense en embuscade. C'est vrai que je me dis si les choses... voilà, on pourrait en avoir besoin. Même prendre la tornade. Personne ne meurt et j'ai pas d'ennemis pour l'instant, donc tout va bien. Oh, ça serait bon ça. C'est valable. Ah non, je passe pas le niveau. Dommage. Résistance ultime 6%. D'accord. Et du coup, mon vassal me paye un petit peu plus de pognon. Bon. Bon, bon, bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a fait le plus facile. il a le talisman. Oui, oui, il l'a. Déjà, faut régénérer les troupes. Comment ça fonctionne exactement la défense ultime? La défense ultime, c'est une réduction de dégâts pour tous les types de dégâts. C'est-à-dire que, quelle que soit la nature de l'attaque, que ce soit attaque enflammée, attaque de base, attaque perce-armure, attaque peu importe, la réduction de dégâts va s'appliquer. Donc si tu as une réduction de 6% de résistance ultime, quelle que soit la nature de l'attaque en face, tu as toujours ta réduction de 6%. Alors que si tu as une résistance physique, par exemple, eh bien si tu es attaqué par des dégâts magiques, tes 6% ne compteront pas. Parce que les attaques magiques passent à travers les résistances physiques. Dominating. Ouais, lui, il est en train de mourir. Shut up, demon. Merci Arctoros pour l'année. Ça y est déjà. Ça va vite, hein. C'est quoi les objectifs?
Ah, les Bretonniens n'en font strictement pas partie. Ah oui, par contre, ouais. La Sylvanie aussi, dis donc. Même pour la campagne courte. Summon the Elector Counts. Qu'est-ce qu'il fait là? Elle n'est pas morte! Mais non! Mais non, mais pas! Pas là! Pas là, pas maintenant! Oh, il a pas la portée! Oh, chais! Oh, chais! Oh, je vais te la prendre, ton île, lui couper toutes ses têtes et te les fourrer dans le cul, une à une! Restons calmes, restons calmes, s'il vous plaît. Il est en train de prendre de l'attrition parce qu'il n'a plus de ville. Il l'a pris! Hein? Fool. Never. Ah, je suis fatigué. Et j'ai pas la portée. Mais il est insupportable. Mais attends, il a pris super cher. Peut-être que l'hydre est morte hein, dans le tas. Oui, non. Comment ça, une deuxième armée? Bon, par contre, on est d'accord que l'hydre est morte, hein, sinon je fais un scandale. Hein. Oh là, c'est déjà cuit. Hein. Les 10 unités, elles ont déjà régène à fond. Hein. Donc 10 plus les 5, mais sans l'hydre. Hein. Ça, je n'en veux plus. C'est, l'hydre, elle n'est plus là. Oh, mais ils recrutent de ouf. Quoi, ça va me servir, sérieux? Entretien moins 5%, portée de déplacement. Non, mais là, Rakart, maintenant, il recrute plus que de l'infanterie de base.
Bon, allez. Sur Konkata, il fait que du... Oh, putain. Oh, le squeak explosif. Bon, bah, 5900 points de vie. C'est le moment de tester ma théorie, voir si je claque tous les tirs enflammés. 79 de puissance des tirs en tirs enflammés, donc 20% de plus vu qu'elle a la régène. Ouais, ça fait quand même quelques salves à 70 de puissance des tirs. À 80. Enfin, plus que 80. Merci Benisk. Merci pour le Prime. Bienvenue. Merci Nocalus aussi, je pense pas l'avoir dit. Bon, cela dit, ça ne fait pas de tort à Nakai. Si c'est sur Nakai qu'ils vont, c'est ok. Ah, ils ont pas de sombre trait. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Ouais, et des lanciers, bon. Non, il y a quand même des bonnes nouvelles. Si j'ai une unité de rôdeur que je détache juste pour aller chercher la baliste, parce que ça, il va le falloir. Tout en esquivant les squigs. Bon, donc, ça veut dire que Nakai peut aller devant, bien devant. Il ne prendra pas de salve de sombre trait. Ah, c'est déjà une bonne chose. Bon, alors là, par contre, c'est vraiment un test pour voir si les rôdeurs caméléons sont effectivement la meilleure unité de la galaxie et vont défoncer l'hydre. Auquel cas, ils ont tous une promotion extraordinaire. Merci le fameux Marquis pour les 3 mois. Bon retour en douceur dans l'Omnifion. Ouais, de quoi ? Bon, bref, il va aller. Dans les lanciers. Bon. Bah, si, parce que si ça blobe, du coup, les rôdeurs. Ben non, les rôdeurs caméléons, ils vont tirer sur l'hydre. Concentre-toi 5 minutes ! Ah, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux que les rôdeurs balancent leur. Peut-être que je vais essayer de tirer une salve de projectiles de une unité sur l'hydre, voir si vraiment je vois une différence au niveau des points de vie, et si c'est suffisamment impactant, ils tirent tous dessus et ils la défoncent. Et on n'en parle plus, et je ne veux plus jamais la voir. Ouais. Ça va bien se passer, ça. Aucun risque. Bon, les Croxigors sont en forme quand même. Merci à un oiseau pour les 8 mois. T'as pas de magie en dégâts de zone ? Si, j'ai... j'ai la foudre d'Uranod, mais c'est pas une très grande zone. Je pense pas que ce soit le plus intéressant à utiliser dans ce genre de cas. Par contre, j'ai la tornade. Sur du lancier, ça peut être à peu près ok tiers. C'est 8 de vent de magie. Faudra que je teste sur les lanciers de base, voir si ça marche. Allô ? Ah. Mais la foudre, ça va être... Ouais, c'est trop cher pour ce que ça va faire, ça ne me sera pas utile. À pas à côté d'autres sorts. Donc je vais prendre l'unité la plus... Hop. La plus faible, je vais la mettre là. Lui, ce qu'il devra faire, c'est aller chercher... l'artillerie.
eux, ils attendent de pouvoir claquer une salve sur l'hydre et après on avisera. Croxigor, pour l'instant, je vais les planquer. Eux aussi, ils peuvent encaisser un squig explosif sans trop de problèmes. Je vais remettre une unité d'un côté, l'autre de l'autre, en fait. Comme ça, où que passent les squig explosifs, je vais les choper. Et ils prendront pas de dégâts. Presque. Yeah, 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 hey, yeah. Et ils vont se faire intercepter. Atta. On va sortir, on va sortir. C'est bon ? Presque. Ouais, alors ça, c'est pas franchement comme prévu, mais... Ok, c'est pas du tout comme prévu. Oh là là, ce corps à corps va pas du tout bien se passer pour moi. Les harpies sont chiantes. Et merde, ils se remettent à tirer, mais c'est bon, je suis à portée là. Ok. Comment ça se passe ici ? Ah bien. Allez, foutez le camp. Ils vont se faire défoncer, ça sert à rien. Allez. Allez, c'est bon. Déjà une bonne chose. Ouais. Bon, je veux bien essayer ça, hein, mais... On surbuffe Nakai. On débuffe l'autre. Ouais, il lui met des bonnes tartes quand même. Oh oui, oui. Putain, l'hydre, elle me lâche pas par contre. Allez, revenez par ici. Alors attention. Recommencez à rôder par pitié. Summon the Elector Counts. Oh. Summon the Elector Counts. Oui, 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 ça semble se valider quand même, hein. Oh, les corps, un petit coup. Mais voilà. Mais c'est la meilleure unité du monde, je l'avais dit. Mais oui, bordel. Oh
Oh, ils l'ont détruite! Ils l'ont détruite! Mais quel plaisir! Ok. Erakart, il aime bien se battre contre les grands lézards, mais par contre, contre les petits lézards à bouclier, ça lui plaît beaucoup moins. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Ok, on attend. Parce que là, il reste quand même des trucs sales. J'ai pas envie de claquer des munitions pour détruire les squigs explosifs. Les squigs. C'est pas des squigs, c'est des squigs. C'est comme le cuivre. C'est le même genre de prononciation. Alors. Ah ouais, et Rakart, il aime pas ça du tout, hein, le combat contre les Saurus. Ah bon, même s'ils sont en train de prendre quand même assez cher, je vais attendre. Merde, j'aurais dû aller à leur rencontre. Hé hey, hey. Oh, ça va péter dans leur troupe, ça. Oh, ça va. Oh. Ah oh, d'accord. Ah ça, c'est oui, ça. Alors, ça, c'est oui. Alors, permettez que je vous mette une couche. Ouais, c'est au 4 tiers, ça. Oula, Rakart. Ouais, ça va, le seigneur, il y arrive pas trop mal. Mais ce brume, oh là là, le truc, il vole. Ok. Non, 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 c'est pas ça qu'il fallait faire. Allez, achève-la. Casse-toi. Mais oui, mais c'est parce qu'il est sur Rakart. Idiot. Ok. Non, préparez-vous pour l'autre blob. L'autre blob. C'est bon. Mais chais! Oh là là! Oh mais les skins caméléons quoi! Mettez-moi deux palettes! Même avec lui, y a pas mieux quoi! Il nettoie l'hydre, il nettoie l'infanterie, il nettoie tout! Du moment qu'on les fait claquer leur salve au bon moment, c'est ultra fort! Oh. Voilà la peine que je poursuive un peu. Oui, quand même. Mais merci le squig explosif aussi. Oh, l'unité de lancier, elle a explosé. Elle chargeait, puis elle était plus là. Elle courait sur mes troupes, fière de... Fier de ce qu'ils étaient en train d'accomplir. Et puis à l'instant d'après. Bah. Ils sont. Rakart, il était content là. Attendez là, j'ai mes potes qui arrivent. J'ai mes. Eh. Ils sont. Il y a de la compote de lancier à mes pieds, c'était normal. Mais il a one shot la totalité de l'unité ennemie, quoi. Trop bien. Squig à 50 subs. C'est ça. Oh là là là. Pas bon. Dommage qu'il n'y avait pas genre 3 unités autour, hein, mais bon, on va pas être trop gourmand. Je perds rien. Armure d'acier argentée. Plus 20 d'armure. Bon, c'est toujours ça. Pas si mal. Oh, l'hydre est encore en vie. Bon, il va falloir s'occuper de ça.
Taux de reconstitution, moins 5% pendant 5 tours. Vu que le taux de reconstitution est vraiment pas top pour l'instant. Plutôt prendre ça. Non mais c'est bon, l'hydre elle va aller nulle part. Hein, là. Quoi? Non, il est mort? Il est reparti là? Il a réussi à repartir dans la ville et relancer un recrutement? Non. Non, il est mort, donc l'hydre est morte. Non, c'est bon. Ça donne quoi, ça? Commande main moins 5 pour les unités de monstres ennemis. Armée ennemie locale. Bonus contre les unités larges, plus 8. Ok. Il était en marche forcée. Ah, merci Ardensul pour les 3 mois. Pour ma pénitence d'avoir douté de l'Omnifio, voici un Prime. Merci d'avoir rejoint. Tu sais, je pense que tu n'es pas le seul à avoir douté. Merci Seris Pestis pour le sub offert. Non, il est parti en ville. Non, il est pas parti en ville. Le seigneur qui est en ville, c'est lui. C'est Belnenia. Donc non, c'est Parakart. C'est sûr que c'est Parakart. Bon, vu les revenus, j'ai plus 300. Allez, zou. Je pense que la question se pose même pas, les Roder Skink, c'est juste trop bien. Summon the Elector Counts. Never. Ça je veux ça. Ça je veux. Je suis en négatif. Eh ben super. Ah ouais, avec lui. Bon par contre ça fait plaisir d'avoir un vétéran scarifié dans l'armée. J'ai pas l'attaque éclair, je peux pas attaquer ça. 10 plus 13 plus... Faut vraiment qu'il tombe dans l'embuscade. Hein. C'est où les skinks? Le buff des skinks, il est où? Ah mais j'ai déjà puissance des armes plus 10% pour les skinks et puissance des tirs plus 10% pour les skinks et skin caméléon et rôdeur. Ouais. Ah, taux de reconstitution des victimes. Oui, croissance de l'art. Taux de reconstitution des victimes. 2% mêlée. Les buffs de merde.
Oh là là. T'as des factions, c'est tu prends un bonus de régénération, c'est bonjour, plus 15%. Et puis t'as Nakai qui arrive au comptoir, bonjour Bonjour, moi c'est Nakai, je voudrais mon bonus de réconciliation de troupes s'il vous plaît. Oui, c'est 2% pour toi. Hein? Pourquoi? Merci. Ah non, non, non. Parce que t'as pas une gueule de porte-bonheur. Ça doit être ça. Bon, par contre, vraiment, je vais être obligé d'attendre qu'ils m'attaquent, sachant qu'ils vont attaquer la citadelle de plomb et que de toute façon, je vais me faire baiser. Au secours. À tous les coups, c'est ce qu'ils vont faire. Et sachant que les Nords, ça... Ah ! Ok. D'accord. Squig explosif. Un squig explosif et 12 milliards de lanciers. Bon alors par contre, je sais pas trop s'il y a moyen de le faire, de le piloter un peu. Sur quoi est-ce qu'il va prioriser sa cible s'il a le choix sur Nakai? L'IA va considérer que c'est la cible avec le plus de points de vie et donc elle va prioriser sur lui. Parce que si j'arrive pas à le faire prioriser, il va aller péter sur une unité trop tôt ou... Bon, ça va être compliqué. Bon, à nouveau, pas de tir. Pas de baliste cette fois. Et pas d'hydre. Mais c'est pas Nakai. C'est pas Rakarth. C'est Rakarth. Ah non, c'est l'autre. Bon, ok, c'est l'armée de renfort. Bon. Bon. Pas grave. Donc pas de tir, pas besoin de me tracasser de comment je place mes rôdeurs. On va juste faire ça. Là de flanc. On va progresser un peu par là. Ok. Ils viendront pas spécialement. Bon, oui, mais ça va aller. Oh, je vais avoir la comète qui sera débloquée pour après. Pas très envie d'aller les chercher quand même dans la forêt en plus. Est-ce que Nakai irait? Ouais, mais après ils vont me tomber dessus avec les harpies et Nakai pourra pas se décrocher. Ou alors je vais leur claquer une petite foudre d'Uranon sur la tronche pour voir si ça les débloque. Pas du tout envie d'aller les chercher en forêt. Ou alors vraiment de flanc là-bas. Ah ouais, non, il perd 20% de vitesse en plus.
Ok, alors on va engager. Pas trop le choix. S'il y a moyen, je recule quand même, mais... Il est où le squig? Elle est où ma glace? Eh ben voilà, trop tard. Ok. Ouais, quand même moyen. Bah mais du coup, ils viendront pas. Ah, ils font chier. Ils font chier, même mes rôdeurs, ils seront moins efficaces là-dedans. Ok, vous vous reculez. Il y a le bord de map là. Ah ouais. Là, le blob est pas trop mal. Mmh, ouais, ils ont raté leur salve. Pas terrible. Allez. Ah, c'est mieux, mais c'est pas terrible. Vraiment pas top hein. Ah, la forêt de Sebo. Voilà, vous vous barrez. Pas trop trop le choix là. Ok, on gratte quand même. Ok. Et là, faut sortir les crocs-tigres sacrés du merdier dans lequel ils sont. Ah, lui, il commence à avoir beaucoup de mal. Il va falloir des renforts au centre. Allez, je le renvoie tout de suite. Ok, je les sors. J'en profite. Pour l'instant, tout tient. Ok. Ça va buffer les rôdeurs aussi qui viennent de charger. Je vais pas pouvoir claquer un petit sort là. Allez, allez, renfort au centre. Eux, ils se replieront après. Là, je veux faire passer mes renforts sur le centre. C'est la priorité. Oui, surtout pour sortir celui-là.
Ça va, il va pouvoir sortir. Non, non, c'est bon, ça craque. Reste là. Regarde, ils sont pas passés, eux. Par contre, je prends cher hein, la moindre des batailles. Petit peu trop de dégâts là. Nakai qui se balade. Ouh là là, ceux-là. Merde, je les ai pas décrochés. Du coup, il y a une unité qui est venue les prendre de dos. Donc, ils pourront pas sortir. Là, je peux faire une charge. Voilà la petite charge de dos là. Parfait. Il y en a un qui a encore pas mal de munitions ici. On va tâcher de briser celle-là. La charge n'était pas valide, ils ont pas pu tirer. Ah mais ils tiennent hein. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Et Runner Skink en plus, c'est pas si mal en termes de... Ah ouais, là par contre. Ceux-là tiennent hyper bien quoi. Bon ok, c'est de la frelance mais quand même. Très très bonne résistance quand même. Allez, il n'y a plus qu'à mettre quelques tatanes sur l'autre. Merci Dédric pour les 4 mois. On se souvient pour l'empereur. Ah, c'est vrai le titre du stream. Merci Vionorem pour les 3 mois. La comète. Oui, maintenant la comète. Merci Frogex pour les 3 mois. Il était parti. J'étais parti, oui, tout à fait. Alors. Ah, 1000 balles. Ouais, mais encore une fois, le taux de reconstitution est trop... Oh, merde. Ah, j'ai pas de quoi recruter, dommage. Unité renforcée de 5%. Alors la pénitence du moins 5% de reconstitution pendant 5 tours, non. Bon. Comment qu'on fait? Merci Kirelia pour les 3 mois. Armure 4, défense plus 5 et capacité armure resplendissante moins 5 d'attaque de mêlée au tour. C'est pas dégueulasse. Et on va mettre ça avec lui. Et du coup, servira de garde du corps à Nakai, évidemment. Bon, allez, à l'attaque éclair, là, ça commence à devenir urgent. Ouais, par contre, du coup, j'ai perdu les lanciers, c'est pour ça que je repasse en positif. Ah ouais, si j'avais l'attaque éclair, j'aurais pu tenter un rush sur... Ah mais non, j'ai pas de portée. Quel enfer, j'ai rien. On n'a pas de portée, on n'a pas d'argent, on n'a pas de swag. On n'a rien.
On va avoir un chef skin. Est-ce que j'en ai quelque chose à secouer? Non, pas tellement. Pas tellement. Pas de mission pour sortir une petite unité bénie là. Ah, c'est que 110. Ouais. La faction allée fait pas d'armée? Non. Malheureusement, non. Ça va avec tout ça. Un Carno, des Croxigormes, des Razordons, des tout ce qu'on veut. Ah oui, mais non, mais c'est une embuscade. Oui. Bon, au moins, il ne reçoit pas de renfort. Ouais, c'est déjà ça. Mais l'embuscade en elle-même ne sert à rien. Oui, surtout qu'il n'y a pas de tireur. Il va falloir que je me déploie complètement contre le bord et attendre que l'allié arrive. Hein, parce que sinon, ça va très très mal se passer. Sinon, ça va très très mal se passer. Mais là... Ouais, je vais me déployer contre le bord de map et ça devrait aller. Plus qu'une seule unité de Saurus hein, quand même, il faudrait que j'en ai une deuxième. Ce serait bien ça. Allez. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Merci Sir Fortex, Fortesque. Merci pour le sub, bienvenue. Il doit me voir. Bah genre s'il me voit pas, ça proc pas. Enfin ça ne... Viens voir. Ah donc il continue sa course tranquillou. Ah oui c'est vrai qu'on aura le système à la 3 royaumes apparemment dans Warhammer 3 par contre.
genre une embuscade, le but de l'IA, ce sera de foncer sur, jusqu'au bord de map. Et ici, dans Warhammer, du coup, s'il arrive au bord de map, ça fait quoi? Voilà, là, il me voit. Ah ouais, ça le fait pop. Ouais, je savais pas ça. Merci Kaolan pour les 10 mois. C'est bizarre comme fonctionnalité, ça. Ça a aucun sens. Shut up, allez, venez demon. C'est bon, il bouge pas. Il m'attend. Merci Zoya pour l'année. Et salut. Ça y est, ça fait un an, je verse presque une larmichette tous ces bons moments en si peu de temps. Merci beaucoup. Toujours ce scandale des modérateurs qui se subent. J'espère que tu vas bien. Tu perds la bataille s'ils vont au bord de map. Bah non, ça c'est dans les trois royaumes, mais dans Total War Warhammer 2, non. Mais dans le 3, ça changera ça. Ok, je vais laisser le... Je vais laisser l'allié partir en premier. Ah. Oui, c'est un bon pépère. Mais c'est qui le bon pépère qui va manger du racart? Il voulait une petite caresse par Nakai avant de partir. Ah mince, il avait pas pris de... Il avait pas pris de niveau, lui. Pas la comète. Bon, je vais laisser l'allié se suicider sur les lignes ennemies. Et moi, j'arriverai par derrière. Pof! Je défonce l'hydre. Et puis, on avise. Oui, mais ne courez pas. Bon, ok, déjà, ils prennent la... Ah, j'ai vu le tunnel sombre. Donc ça n'a pas fait grand chose puisqu'ils l'ont tapé sur les croxis. Fort bien. Oh là là, petite comète là. Pourquoi j'ai pas moi? Allez, faudra quand même arriver à temps. Les rasoirs donc, ils vont faire leurs dégâts quand même. Correct. Quand même du perce armure. Assez sympa à distance. Ouais. Oh, le fouet d'agonie. Moins 24 de défense de mêlée. Ils vont prendre vraiment tarif. Merci d'être venu les suicider de cette manière. Peu du mal de l'atteindre. On a même beaucoup de mal de l'atteindre. Ça ça fait un petit peu friendly fire. Ouais ouais, bon ouais, ça peut pas être parfait. Shut up, demon. Bon, un coup et on est bon. Encore un coup et on... Allô? Ouh, c'était quoi ça? C'est le tunnel? Ils avaient peut-être pas encore rechargé en fait. Ah là c'est bon. Oh, le friendly fire qu'ils vont prendre. Non, ça tire pas beaucoup. Vraiment que je... Vraiment falloir la terminer. Ah! Devrait être bon là. Voilà, non, c'était une question de ligne de vue. Consent là, on est bon. Oui, 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 j'y viens, j'y viens.
Allez, zou. Ah, ok. Donc là, on fait demi-tour. Enfin, on fait le tour plutôt. Oula. Alors, on va filer un coup de main, ceux-là. Ouais, ils ont pris cher. Bon, j'ai amené Rakkart et son garde du corps. J'ai amené Nakai et son garde du corps contre Rakkart. Il y a un monde où ça se passe bien tout de même. Ah ouais, quand même. Bon bah voilà. Par contre, crachez-moi encore une salle, vous deux, s'il vous plaît. C'est bon. Summon the Elector Count. Merci Spellmar pour le Prime. Bienvenue à toi. Merci à Ratchet pour les 300 bits. Merci El Pertusco pour les 6 mois. Merci Ouros pour les 6 mois. Petit investissement dans la Chaos Corp. Puisse les actions te permettre d'améliorer ton jardin. J'ai cru que t'allais dire mon gameplay, mais non. Ça, c'est pas être perdu. On paraît que cette hydre a survécu plus longtemps que les unités de base de MAF, toutes campagnes confondues. Non, on n'est pas si loin que ça. En fait, ça fait déjà plus de 2 heures qu'on joue, mais on n'est pas si loin que ça en nombre de tours. Allez, je prends l'XP. Ah bon, on verra la suite plus tard. Allez, salut YouTube!